J'ai fait le déplacement en Turquie afin de rencontrer nos futurs partenaires avec qui nous allons collaborer dans le mobilier et bien plus encore. Ce qui fait que nous avons deux points extrêmement stratégiques, à savoir la Chine et la Turquie, pour l'ensemble de nos importations, pour améliorer le sourcing et la réussite de nos membres au sein du club GITC. The retail price, it will be totally different. Yeah, when I see the container price, I have a decade with that. In furniture business, the transportation is one of the biggest cost. Et on met ça dans le conteneur vraiment pour que le produit arrive proprement. On the floor. We are laying this nylon in order to protect any water from okay. the items. Okay, perfect. Et on fait ça chez GITC, on fait très attention. Si le conteneur est endommagé, s'il y a une tempête en mer, l'eau salée, vous savez ce que ça peut faire sur les produits, spécialement si vous avez de l'acier, etc. Ça peut venir endommager votre marchandise. C'est des petits détails, les amis, mais c'est le professionnalisme. Quand vous bossez parfois en direct avec des petits fabricants ou des agents qui n'ont un peu rien à faire, voilà, ça charge, ça charge. Nous, on fait prendre des précautions avec nos partenaires. Votre marchandise arrive, elle est... clean, elle est comme ça quoi, il n'y a pas de surprise quoi. Mo is coming from Mozi, Ma is coming from Madrid and Flex is from Madrid. Here, now they are making Momaflex. You see okay. Sleep Prime, then Momaflex. Momaflex is our export brand. Okay. Which you will see also in our catalog. Sleep Prime just for production brand name. Okay. But Momaflex is for export. Very good. Donc là, les amis, on est sur un lieu de production qui est en train de se construire. Ça, vous l'avez remarqué. On va aller voir à l'intérieur les produits. Hop. Donc là, on voit que le business se porte bien, les amis. Quand ça construit, etc. Actuellement, dans le contexte actuel, voilà, ça sent bon. Quand je dis ça sent bon, tout simplement, c'est que tu peux pas investir en période... dite de crise quand t'as pas un bon business qui tourne. Donc là on est chez un fabricant, les amis, de matelas. Et avant de faire le tour de ce que produit notre partenaire, j'ai envie d'échanger avec vous sur un point qu'on a vu en voiture avec notre partenaire. Dans les affaires, les amis, la parole ça vaut de l'or. Je l'ai déjà dit, pour ceux qui découvrent la chaîne, vous savez que je suis en affaires depuis 2005 maintenant, toujours dans l'import-export. Et il y a un point qui est important et que j'ai remarqué chez certains entrepreneurs que je rencontre sur mon chemin, avec qui on ne fera jamais de business, c'est que lorsque vous dites quelque chose, s'il y a les mots qui sortent de votre bouche, vous devez assumer. Si vous dites « je passe commande, je fais ci, je fais ça, je te fais une réduction », vous devez tenir votre parole. Sinon, vous perdez en crédibilité. Et dans les affaires, en Chine, on me dit don't want to lose my face. On ne veut pas perdre la face. Et ça, c'est un point qui est crucial dans le business. Je vais prendre un exemple. On a des personnes qui arrivent, qui nous contactent. Voilà, pour commencer à faire un conteneur, on fait la mission, on envoie le devis, etc. Ils me disent, voilà, je vais te payer, oui, je valide. Et en fait, ça traîne une fois, deux fois, trois fois. Et puis après, on n'a plus de nouvelles. Ben ça, c'est des personnes avec qui je ne ferai pas de business et je ne les recontacterai pas. Parce que je peux comprendre que dans du business, il y a des aléas qui font qu'il y a des choses qui arrivent et que tu ne peux pas passer commande. Mais la moindre des choses, c'est de tenir au courant ses partenaires. Bon, ben en fait, j'annule la commande ou je mets la commande en stand-by. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Par contre, quand tu ne donnes pas de signe de vie, tu n'es pas fiable. Et je ne fais pas de business avec les personnes qui ne sont pas fiables, tout simplement. Donc ça, c'est un point qui est important. Si tu veux bosser avec nous, enregistre ce que je viens de te dire, mon ami. Okay. And topper. It's comfortable. For the comfort. Yeah. Okay. You produce everything, yes, yeah? Yes, yeah. Voilà, ça c'est un modèle de lit, les amis, qu'on voit pas assez. Et c'est super confortable. Vous voyez, il y a le rangement à l'intérieur. Et vous avez le matelas avec le surmatelas.
Et ça, c'est... Putain, qu'est-ce que c'est confortable, les mecs. Waouh. Putain. Pff, sérieux, j'ai envie de dormir. Non, sérieux, les mecs. Qu'est-ce que c'est confortable, ça. Waouh. Voilà. Çekimini yapıp işte çekim, video da çekim. Aynen videosunu çekeceğim. Bana atın bana. Ama bu da şey gibi, sofa to go gibi el altından olması lazım. Özel nedenler var. Tamam bunu gördüm ben ya. Bir yerde daha vardı yaptılar. This is the thing is that in from our experience in France too much immigrant furniture stores. Ya inan oralarda o şeyler. Yeah. In Paris for instance, I know that there are 8-9 different people. Belli onunla falan. They are originally from Turkish. They have furniture stores. They are selling this bed base unbelievably. Yeah. Because in France, you know, too much African immigrants also located in there. They like it too much. So when you are considering bed base is a different case. You have to penetrate this bed base and yeah, and you know, we have the bed in France is old model, you know, with wood, with, you know what? This is more comfortable, you know? Yes. Road pay aldın değil mi? How much one mattress, you know? Which price for this, you know? For this one? Yeah. For full set? Full set, the roughly price, the size 140 by 190 or 160? 160 to 180, yeah. Which is the most famous? Because me, I like king size, but I don't know the market. 1,600, you know? 1,600. 200. Okay. Bed base, headboard, and mattress. The price is around. But handmade headboard, good quality. Everything, yeah. Everything, yes. We will make a beep for the price. It's good. It's good. The benefits could be comfortable, well, in the retail market, yeah. Yes, you are right. Yeah. They are selling more than 1,000 euro, you know? This yeah, kind of best. Yes, exactly. 1,300 approximately, the sale price in Europe. Most of the European retail, contemporary furniture stores, in Europe, you know, there are lots of Turkish origin furniture stores. Actually, from our preferences, we are never working with them. We don't have any Turkish customer outside of Turkey. This is the thing is that when they are buying this one, their selling price, the retail selling price, directly they are multiplying by three. Mm. This is 295, for instance. They are selling this one not less than 900 euro. Believe me that their profit margin is really high. And what is good, it's no after sale, you know? Yeah, of course. Now for the mattress bed basis. Yeah, so it's pure benefits. Yes, yes, yes. This one, we developed this one very new. This is platform bed with mattress and headboard. Do you plan to produce one model with LED or something like that? I see some model is very nice, you know, they like an example, they put LED here, you know, it's like... We can make. Yeah? It's not a big deal. We are able to make it. Because I look... We didn't make it because sometimes this is the thing, is that some countries, during importation about the electrical things, they need something like that. Yeah, yeah. So, yeah. In the past we had some demands, but they faced it. This one... It's nice, this one, huh? This is the thing that the bed is folding. Okay. Like the sofa to go, you can see here. Like in our showroom, we have a sofa to go. It's folded. The yellow one that I showed you. Okay. It's folded. The headboard is on top of it. It's in a box. And the mattress is roll pack. It yeah. is again. How is condition? Where is the condition man of the mattress? Is bigger or how is it? Over there. Perfect. It's 165 kilo. Very good. We are able to make pocket spring and foam mattresses
as a roll. Yeah, super. Là, on a le conditionnement du... Which model is it? This one, which model is it? Let me check which model is this. Navi galiba bu. This one. Ok, donc ce matelas est conditionné de cette façon. Donc c'est super, ça prend pas de place. Ça prend pas de place. Je vais pas le porter parce que j'ai un début de lumbago, les amis. Et voilà, ça c'est super, on peut en mettre pas mal. Très intéressant. Moi j'aime bien ce format de lit, les amis. Regardez, vous avez la tête de lit. Ça c'est très joli. Et on a... Ouais, c'est franchement, vous voyez le lit, les lits français en fait, le souci des lits français avec les lits à lattes, nani nana, ça c'est ouais, c'est d'un autre temps quoi, et pourtant c'est ce qu'on retrouve partout quoi, partout, alors que vous avez ce type de lit, voilà, ça c'est un potentiel, ça me dérange même de vous mettre ça dans des vidéos, parce que ça c'est vraiment des petits secrets que je préfère garder pour notre business club, parce qu'il y a un potentiel sur ce genre de produit, les amis. On est sur du pur cachemire, les amis. Mon Dieu, franchement. Ah, so comfortable. Wow. Alors sur ce modèle, les amis, encore une fois, c'est pour optimiser le conditionnement. Si vous enlevez le matelas, on divise en deux, en fait, ça se démonte. Donc, vous venez poser cette partie-là ici. Cette partie-là, ici, c'est conditionné dans un carton. Le matelas, vous l'avez vu tout à l'heure. Et là, on met 97. Yeah. Là, vous mettez 90 lits avec les matelas dans un conteneur, donc ça c'est, vous amortissez le coût de transport. It's very nice. The mattress, double bed and headboard in one container, we can load maximum 30 to 35 sets. But by roll mattress and folded box storage, yeah, we can load around 90. So it is more than 3 times loadability. And you know, in these days, the logistic cost is the one of the most important things. Exactly. So you will say double time from the logistic cost. That's good. We don't have only the storage function for this one. Ça, vous l'avez compris, je fais la traduction, les amis. En fait, pour les modèles classiques, dans un conteneur, vous mettez à peu près une vingtaine de pièces. Et là, avec 20-25 pièces, et là, avec ce modèle, en fait, vous triplez la quantité possible, et on sait que la logistique, c'est le facteur le plus important dans le prix de revient d'un produit. Voilà, le transport, les transports, pas que le fret, hein, il y a plusieurs types de transports si vous voulez, donc plus vous en mettez, plus vous allez amortir le coût de transport, et voilà, votre coût de revient va être plus bas. Very smart. Thank you. Et justement, ça fait plaisir de voir dans une période actuelle des personnes qui investissent, qui progressent. Donc c'est une très belle rencontre et j'espère... I told them, I hope we can make collaboration seriously together, you know. Congratulations, bravo, my friend. Thank you very much.